Bonjour à tous, je suis avec le gratteur fou, mais là je fais un retour sur certains de mes jeux favoris. Donc là c'est le Book of Gold double chance. Alors je pars donc avec un nouveau dépôt de 2000 euros, mais là en fait je vais pas trop me lâcher, je vais faire des mises maxi à 10 euros. En fait les parties précédentes, il y a eu quand même pas mal de pertes, donc franchement ça calme un peu. Donc là je me suis dit mise à 10, je vais pas aller plus. Alors, troisième bouquin serait miraculeux en début de partie. Ok, les miracles c'est quand même un peu rare. Alors là, la mission, bien sûr, c'est d'avoir les trois bouquins de bonus. Donc théoriquement, avec des crédits de 2000 en misant des 10, théoriquement, ils devraient sortir, mais bon, reste à savoir quand. Alors, des fois, ça prend vraiment une plombe. Avant qu'ils apparaissent. Alors, crédit 1850. C'est vrai que ça arrive d'avoir les trois bouquins bonus en début de partie, mais c'est quand même plutôt rare. Et encore des fois, les free spins, ils coûtent une fortune, et quand ils sortent, ils payent que des cacahuètes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, petite connexion. Connexion un petit peu lente. Ouais, pour l'instant, il y a du petit lot de consolation. Allez, spin auto, hop. Alors, crédit 1668. Ok. Bon, déjà 350 balles de partie dans ce jeu. Ça aurait été des mises à 100 euros, ça aurait fait déjà 3005 de perdu. Alors ces trois bouquins qui peuvent apparaître au bout d'un nombre infini de parties. En plus ce jeu, à part les free spins, généralement les combinaisons gagnantes, ça paye pas grand-chose. Alors 8 euros ici. Bon, ben heureusement que c'est que des mises à 10, que c'est pas des mises à 25, 50 ou 100, parce que là ça serait bonjour les pertes. Alors le troisième qui est pas là. Alors crédit, on est bientôt à 1004. Allez, 1404, ça y est, ça fait 600 euros de partie dans ce jeu. Alors, il serait peut-être temps que... Et ça y est, il est là, il est là. Allez, arrêt de spin auto, enfin. Alors, il aura fallu cramer quand même vers les 600 balles avant qu'ils apparaissent. Alors, qu'est-ce qui va me sortir comme symbole? Le J, ça paye pas énorme. Voyons voir ici.
Ok, c'est pas des symboles qui payent beaucoup, mais ils sont relativement fréquents quand même, donc ça peut être un donné pour un rendu. Ah ouais, 40, ça paye pas lourd. Faudrait au moins qu'il y ait 4 ou 5 lignées complètes. Allez, un petit free spin en plus serait pas mal. Et non, il n'a pas voulu lâcher le troisième symbole. Alors ça, pareil, ça doit payer 40 balles, j'imagine. Voilà, 40. Faudrait au moins faire 4 lignes ou éventuellement 5, mais bon. Au moins 4 lignes, ça sera un petit peu mieux. Alors, free spin 4 sur 10, on va enquiller le cinquième. Alors pareil, 3 symboles, 40 balles. Le jeu, il veut pas lâcher une quatrième ligne. Bon, pour le moment, total win 220, c'est pas top. Alors, free spin en plus. Eh ben, free spin en plus, là c'est... Ouf, c'est franchement bienvenu. Allez, plus 10 free spin. Parce que là, pour le moment, niveau win. Ah, là, il y en a 4. Alors, on va voir combien ça va payer. 3, ça paye 40. Et 4, ça va payer. Ok, 80. Pas beaucoup en plus, hein, là. Alors, win 336 pour le moment. Allez, 40 balles de gagner ici. Ah ouais, c'est ça le problème. Les lettres J et Q, c'est des lettres qui sortent souvent, mais ça paye pas grand-chose. 40 balles pour 3 lignées de symboles et 80 balles pour 4 lignées. Donc, avec ça, franchement, il y a du boulot avant de faire un gros win. Voilà, 40 balles en plus. Bon bah au moins les free spins sont sortis, donc c'est au moins déjà ça. Alors free spin 15 sur 20. Allez pareil, 40. C'était des spins à 100, ça paierait 400. Alors 17 sur 20. Allez 80 euros ici pour 4 lignées. Je vais même pas dépasser ma balance de départ qui était 2000 euros. Alors 80 plus 40 là. Alors 1974. Ok, encore 80 de gagné. Bon ben au moins j'aurais dépassé la balance de départ et fait un micro bénéf. C'est toujours mieux que de se taper une perte. Alors 3 lignées plus 40 euros. Et le dernier free spin. Alors qu'est-ce qui va nous sortir? Que dalle. Total win 720 quand même. Alors 2094, on va faire un spin pour le fun. Et on va enquiller sur un autre jeu. Je pense que je vais basculer là sur le Clover Reach. On va voir ce que ça va donner. Allez, chose première, chose due, donc retour sur le Clover Reach, balance de départ 80, 2084, 84 euros de bénéf sur la précédente partie. C'est toujours mieux que de se taper une perte. Alors mise à 10, comme j'avais dit, là j'allais pas trop m'enflammer, c'était mise à 10 maximum. Et là on va essayer de faire la même, de chercher les 3 symboles bonus. En début de partie, ça aurait été trop beau, mais bon, ça m'est déjà arrivé. Alors, j'espère quand même que les symboles bonus, ils vont pas mettre une plombe à se manifester. Alors, 1, 2. Rouleau, eh ben ça y est, ça y est, ça y est, d'entrée en tout début de partie. Ouf, bon ben soulagement quand même. Alors, 2004 euros, il n'a pas fallu cramer grand-chose avant que les symboles bonus apparaissent, c'est plutôt miraculeux.
Alors, normalement je prends celui-là. Là, je vais tester avec le x6. Il n'y a que 8 free spins, mais multiplicateur x6. Alors, un petit plus 1. Si on peut avoir du plus 5 en free spin, c'est tant mieux. Alors, pour l'instant, win 50 balles. Alors, c'est bien beau les free spins, mais quand il y a des spins qui payent que dalle, ça fout un peu les boules. Allez, un petit plus 5. 8 free spins sur 9. Ah, big win, alors. Je m'y attendais pas, 300. Ah, ben quand même. Alors, plus 3, c'est bienvenu. 300 pour des mises à 10, ça aurait fait 3000 pour des mises à 100. Alors, re-big win, ça c'est cool. C'est vrai qu'il y avait le x6 plus les x2. Bon, bah, ça rassure quand même un peu. Alors, s'il pouvait me filer un petit plus 5 ou un petit plus 3, ça serait bien. Là, c'est le dernier. Allez, plus 3, parfait. Du coup, on monte à 15 spins. Hop. Alors, 638 de win, un petit plus 1. Allez, dernier spin. Big win ou plus 5. Eh ben, donc cacahuète, 18 euros. Ok, 656. Bon, bah, c'est pas la fortune, mais quand même, sacré coup de chance d'avoir eu les free spins en début de partie. Donc, il n'y a pas trop à se plaindre. Alors, on va faire un dernier spin à 10. Alors, ça gagne 10 balles. Du coup, j'en refais un autre. Ok, 2650, ben, je vais enchaîner sur un autre jeu. Donc là, je pense que pareil, je vais prendre un jeu où il y a les 3 symboles bonus. Ça va être mise à 10 euros. Et on va enquiller pour chercher ces symboles. Bon, ben voilà, prochain jeu que j'ai choisi. Donc c'est le Skyway. C'est un jeu qui généralement apporte échéance. Donc espérons qu'il en fasse de même ici. Alors, c'est vrai que la connexion elle est un petit peu lente aujourd'hui. C'est un petit peu long à charger. Allez, 99, hop, 100%, c'est parti. Allez, mise à 10,50. Alors celui-là, le Skyway, c'est un jeu qui généralement, j'ai été chanceux. Allez, le troisième symbole d'entrée, ça... Eh non, j'ai failli en perdre mes mots, ça aurait été cool. Mais bon, ça aurait été un peu trop miraculeux quand même. Alors après, c'est bien beau de miser avec des mises un peu plus élevées, mais le problème, bon, sûr, avec des mises élevées, quand ça paye pas mal, mais qu'à l'inverse, les crédits, ils aiment pas. Quand le jeu il paye que dalle, c'est direction triple zéro assuré. Alors espérons que les trois symboles free spin se manifestent rapidement. Allez, spin auto, hop. Beaucoup de chance quand même sur les précédentes parties, ça aurait pu être un petit peu catastrophique, surtout sur le Book of Gold. Alors, un symbole free spin, un seul. On attend les trois avec impatience, mais l'éternelle question, quand est-ce qu'ils vont se présenter? On restait pas ici.
Alors, toujours pas au rendez-vous. Alors, un petit win à 21 euros ici. Bon, bah ça va peut-être prendre une plombe avant qu'ils apparaissent. Alors, un, deux symboles. On va faire un arrêt de rouleau. Hop. Eh ben non, pas de troisième. Alors, crédit 2422. Alors, un symbole, un seul. Alors, sur ce jeu, le Skyway, j'avais commencé, c'était 2650. Là, actuellement, 2331. Peut-être falloir jouer encore un moment avant de pouvoir décrocher les free spins. Alors, on va faire un peu d'arrêt de rouleau manuel. Bon, ben là, je crois que c'est parti pour un bon moment. Alors peut-être que je me trompe, que les trois symboles free spin vont apparaître rapidement, mais là j'ai un petit peu un doute et j'ai l'impression que ça va être plutôt très long. Alors un, deux symboles. Est-ce que le troisième il va se montrer? Rouleau 3 leurre, rouleau 4 leurre et rouleau 5 un gros leurre aussi. Alors, un petit coup d'œil sur les crédits.
Ah, ça a un petit peu dégringolé, 2123 actuellement. Bon, quand même, théoriquement, je dis bien théoriquement, avant d'arriver à zéro, les free spins devraient quand même sortir. Enfin, bien sûr, il y a toujours des probabilités pour qu'ils sortent pas, donc. Enfin, on verra bien. Ah, un big win. Alors. Bon, ça fait plaisir quand même. 125. Bon, c'est vrai que c'est que des mises à 10,50. Alors, crédit 2160 et 50 centimes. Alors, on va activer un peu le move avec des arrêts de rouleau manuel. Hop. Faire tourner un peu le cycle du jeu un peu rapidement. De toute façon, même si les trois symboles free spin sortent, ils sortiront aussi sur les arrêts de rouleau manuel. Pas grand chose niveau combinaison gagnante, sinon à part ça. Alors le petit arrêt de rouleau, il n'y a pas eu le troisième symbole. Allez, retour en spin auto. C'est vrai qu'à jouer à ces jeux, je me tape des crampes au dos à cliquer sur la souris, donc. Spin auto, c'est une belle option. Alors, peut-être que. Eh ben non, peut-être pas. Alors, crédit 1854. Alors là, ça fait un moment que je joue qu'il n'y a rien. Je vais peut-être prendre le risque de faire quelques spins avec des mises à 21. Alors, ne sait-on jamais, un petit coup de bol pour les free spins avec des spins à 21. Eh ben non, toujours pas. Ok, win 100. Bon, c'est vrai qu'avec des spins à 21, ça serait quand même mieux si les free spins sortaient. Mais bon, le problème, s'ils sortent pas, les crédits vont descendre, dégringoler deux fois plus vite. Alors, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, j'espère que je vais pas regretter d'avoir augmenté un peu les mises. Là, je m'étais dit, tiens, je vais jouer tranquille, mise maxi 10 euros. Bon, là, je me lâche un petit peu avec des mises à 21.
Bon, bah, la mission Free Spin serait-elle devenue la mission impossible? Bon, ben retour sur des mises à 10, je pense que là c'est un peu trop flippant pour les crédits. Bon, ça se demandait s'ils vont sortir un jour. Alors, j'avais commencé ce jeu, le Skyway, c'était de 1650 si je me rappelle bien. Bon, ben là, il y a déjà 1000 balles qui sont parties dans ce jeu. Alors, une petite surprise de voir les trois symboles, ça ferait plaisir. Alors, on en a eu un, là on en a deux. À part ça, il y a des petits lots de consolation de temps en temps. Ah, Big Win. Alors, lettre K. Alors, Super Win. Bon, ça fait plaisir. C'est que des mises à 10, mais c'est quand même pas mal. Mega Win. Ben voilà, si c'était des mises à 100, on aurait rajouté un 0, 3920. Alors, bonheur la chance, on va refaire quelques spins à 21. Allez, un petit miracle pour les trois symboles. Alors 1, 2. Allez, le troisième, s'il te plaît, si tu pouvais le lâcher, ben, il n'a pas lâché. Hein. Le lâche rien. Alors win 100. Bon, ben là, je commence à désespérer. Ça se demandait s'il va lâcher les trois symboles un jour. Alors, un symbole, un seul. Allez, arrive à 1600. Ben, je redescendrai les mises à 10. Dernier spin à 21. Bon, ben quand même, tentative de prise de risque avec des mises à 21, mais ça n'a pas payé.
Alors, est-ce qu'il va aller lâcher ses trois symboles ou est-ce qu'il va faire le crevard jusqu'au bout? Alors, est-ce que je me fixe une limite vers les 1000 euros ou est-ce que éventuellement je poursuis la partie Bon, de toute façon, là, je pense que je suis parti pour suivre le jeu jusqu'à ce que les trois symboles free spin apparaissent. Alors, le Skyway, jeu qui généralement m'a bien réussi. Là, je vais peut-être me prendre. Une raclée sur cette partie. Ah là là, bon, on a toujours un ou deux symboles, mais le troisième. Là, je commence vraiment à désespérer. C'est la mission impossible. Alors, crédit 1569. Il y a plus de 1000 balles qui sont parties dans ce jeu. Ça n'a pas payé grand-chose. Alors, ouais, c'est ça que je voulais mater. La tête de la bonne femme, c'est Joker. Crédit 1496,50. Ça commence à bien réduire. Alors ça continue dans sa lancée, là ça sent la partie catastrophique. Alors, est-ce qu'on peut espérer le troisième? Eh ben non, toujours pas. Hein. Bon, mais heureusement que c'est que des mises à 10,50 €. Là, si c'était des mises à 50 ou 100 balles, là, bonjour la perte astronomique. Alors un petit arrêt de rouleau manuel avec les trois symboles, ça serait pas mal. Bon, bah quand
non, ça veut pas, ça veut pas. Bon, bah, crédit 1261,50. Là, c'est à se demander si on va pouvoir redresser la barre. Alors, un symbole, deux symboles et pas de troisième symbole. Ok. Là, depuis le temps, je commence à être habitué. Alors, en plus, j'avais choisi ce jeu, le Skyway, me disant tiens, ben, généralement il me réussit bien. Bon, ben, comme quoi, faut se méfier quand même des jeux qui nous réussissent bien, car autant ils peuvent nous réussir, comme autant des fois être carrément en mode opposé. Alors, Win 50. Allez, on a eu un Win à 50. Voyons voir. Allez, deux spins à 42. Hop. Bon, bah, c'était une mauvaise idée. Ben là, on va pas tarder à passer en dessous de la barre des 1000 euros. Donc là, ça fait déjà à peu près 1500 euros de partie dans ce jeu, un peu plus même, 1600. Et toujours rien de faramine au niveau win, et toujours pas de 3 symboles bonus. Alors là, ça fait un moment que je joue là-dessus quand même sur ce jeu. Donc théoriquement, les trois symboles free spin devraient apparaître. Enfin, ça c'est de la théorie. Des fois, ils apparaissent jamais. Alors, le miracle qui est toujours pas là. Alors, s'il faut les free spins, ils vont sortir quand je serai pratiquement à zéro. Ils vont ramener 200-300 balles. Donc, voilà le niveau rentabilité.
Alors, un symbole unique. Crédit 779. Bon, ben là, sacrée perte. Imaginez si c'était des mises à 100 et la même balance avec un 0 en plus. Là, ça ferait vraiment flipper. Ce serait là des pertes énormes astronomiques. Hein. Alors, crédit 600 pile poil. J'aurais peut-être dû rester sur le précédent jeu, sur le Clover Reach, ou faire un retour sur une des séries des jeux Book of Gold. Alors, crédit 669. Bon, ben là, je crois bien que c'est désespéré pour les free spins. Là, c'est limite, j'y crois plus. Allez, je vais activer un peu le move. Hop. Arrêt de rouleau manuel. Soit ça sort, soit ça se termine à zéro. De toute façon, il n'y a pas d'autre scénario. Mais comme quoi, on peut se dire, tiens, ben là, le cycle de la machine à sous, il a tourné depuis un bon moment. Les symboles, ils vont sortir. Mais comme vous pouvez le constater sur cette vidéo, ça se passe pas tout le temps comme ça. Hein. Alors, toujours pas. Voilà, c'est par exemple ce que moi j'ai tendance à penser sur cette vidéo. Tiens, le cycle il a beaucoup tourné, ça fait beaucoup de parties. Le troisième symbole va sortir, mais ils sont pas décidés. Hein. Alors, un symbole. Là, c'est pareil. Ok, on en a eu deux ici. Bon, bah, verdict, très forte probabilité pour que les crédits se terminent avec un triple zéro. Là, c'est... Et ouais, c'est ça les machines à sous, autant j'aurais essayé ce jeu hier ou autant demain il aurait payé. Mais là au moment actuel, c'est pas vraiment le cas. Hein. Alors crédit 364,50 centimes. Là ça sent l'appel du triple zéro. Alors, un petit coup de chance miraculeux peut-être. Allez, un petit miracle. Alors, pas de miracle.
C'est vrai que sur des mises à 10, ça sort pas, donc pourquoi ça sortirait sur des mises à 40? Bon, s'il y avait eu un petit miracle, genre les free spins avec des mises à 40 balles, ça aurait pu bien renflouer les crédits, mais bon. Ils sortent pas à 10 balles, ils vont pas sortir à 40 balles. Alors 110,50 €. Bon ben la mission free spin, hop, c'est total échec pour aujourd'hui. Pourtant c'était bien parti, le premier jeu, le Book of Gold, c'était un peu limite, mais je m'en étais bien tiré. Le Clover Rich, il était assez chanceux, il a filé les free spins en tout début de partie. Et celui-là, c'est un peu l'inverse. On a beau jouer pendant une plombe, les free spins, ils sortent jamais. Alors, peut-être un petit miracle sur la fin. Ok, un petit win à 20, hop. Ben là, ça serait plus que chanceux. Il reste deux coups à 10-50. Donc là, ça serait un miracle de faire un big win ou des free spins. Là, ce serait miraculeux. Allez, triple zéro. Et ben voilà, ça se termine sur un triple zéro. Ben comme quoi, ça montre très bien que ce genre de jeu est totalement aléatoire. Autant des fois, on peut gagner gros en début de partie. Autant des fois, on récupère sa mise. Et autant des fois, on se fait tout torcher comme ici. Donc là, franchement. Ça montre bien l'exemple quand même que ces genres de jeux avec les symboles free spin, on a beau espérer qu'ils apparaissent, des fois, rien du tout, c'est totalement que dalle. Bon, ben donc ce sera partie remise, là sur trois machines à sous, ben, la troisième c'était la décisive. Ce sera donc partie remise. Bon, ben sur ce, ben, je vous souhaite de passer une agréable fin d'après-midi, je vous fais la bise à tous. Et je vous dis à très bientôt en espérant être quand même plus chanceux sur les prochains jeux. Là c'est un peu tendu. Allez, la bise!